Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment accéder au BIOS et changer l'ordre de démarrage sur les Sony Vaio. C'est parti! Souvent dans nos commentaires, on nous demande comment rentrer dans les BIOS. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque marque. Aujourd'hui, c'est Sony Vaio. Pour rentrer au BIOS, c'est assez facile et après on verra pour démarrer, changer l'ordre de démarrage, le boot order, c'est pas comme sur les autres modèles sur Sony. Allez, on y va. Pour accéder au BIOS sur un Sony Vaio, c'est assez simple, on appuie sur F2, on maintient F2, on démarre le PC. Et on rentre dans notre BIOS. Pour changer l'ordre de démarrage, on pourra ici aller dans Boot, choisir le premier amorçage, le deuxième, le troisième. Pour la particularité de ce BIOS, pour sauvegarder, généralement, quand on fait F10, il nous propose de sauvegarder les valeurs par défaut. Là, ça ne fonctionne pas, il faudra passer par Exit, de sauvegarder les changements et après de pouvoir sortir. Pour booter sur une clé USB, la particularité de Sony, donc là je vais brancher une Irène Boot CD, sachant que mon PC est sur Ubuntu. La particularité, c'est qu'en fait, on n'a pas de boot order quand on appuie sur la touche. En fait, elle boot directement dessus. Donc on va l'éteindre. On maintient F11 appuyé. On le démarre. Et là, vous pouvez voir le petit voyant en bas sur ma clé. Ça va aller me chercher ma clé USB avec mon démarrage d'Irène Boot. Voilà. Donc là, j'ai booté sur ma clé. Si je débranche ma clé et que je le redémarre, on redémarre bien sur Ubuntu. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!